travaillé les framboisiers remontants, je précise. Donc on a eu la première récolte on va dire juin jusqu'à mi-juillet. Donc la première récolte est finie pour les framboises. Et comme c'est des remontants, donc on va avoir une deuxième récolte au mois de septembre sur les nouvelles tiges. Donc il est temps d'enlever les tiges qui nous ont donné, donc qui viennent de nous donner les framboises qui sont en train de sécher. Donc je vous fais voir ça. Hop. Voilà, donc ici on voit bien les nouvelles tiges. Hein. Et, elles sont bien claires. Donc celles-là n'ont pas encore donné. Hein. Voilà, il y en a d'autres là, là. Donc celles-là n'ont pas donné, elles donneront au mois de septembre. Par contre, toutes celles-là là, qui commencent à sécher, là, et là on voit bien, hein, il y a bien une différence. Hein. Voilà, donc toutes celles-là là, qui ont séché, bon, on peut les enlever. Voilà, ça fera de la place aux autres. Voilà, alors moi je fais ça à chaque fois. Comme ça, après ce que je fais, hop, par exemple celle-là, je la rabats contre mon grillage. Là. Et je l'attache, voilà, parce que sinon je vous montre ce que ça fait et je peux plus passer quoi, en gros, voilà. Donc là je les remets droite vers le grillage, voilà. Et donc je profite d'enlever toutes les parties, donc les tiges sèches, donc je mets ici, qui vont aller direct au broyeur, hop, et qui vont retourner donc au pied ici. Voilà, et comme ça, la boucle est bouclée. Voilà les amis, donc pensez à tailler vos framboisiers remontants. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Allez les loulous, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.